Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya.
Jananam sukadham maranam karunam milanam maduram smaranam karunam Kalavashyadiha sakalam karunam samayadipate akilam karunam. Namaskaram. Namaskaram. Namaskaram à vous tous, où que vous soyez. Well, eh bien, 50, days 50 jours de confinement. Tamil Nadu, le Tamil Nadu, ou le gouvernement du Tamil Nadu, a prolongé le confinement jusqu'à la fin du mois. Certes, avec quelques assouplissements, un certain nombre de choses fonctionnent dans les villes. La ville de Coimbatore a été déclarée libre de Covid. Heureusement, plus de 80% de toutes les contaminations, toutes les infections Covid dans le pays sont cantonnées à seulement 30 districts du pays, ce qui est merveilleux, que d'une certaine façon, on ait réussi à le contenir. Et le taux de mortalité en Inde est inférieur de moitié au reste du monde. En général, c'est autour de 6%. Ici, c'est bien inférieur à 3%. De nombreux facteurs entrent en jeu. Mais ça a l'air prometteur. D'ici la fin du mois, il pourrait y avoir bien plus d'assouplissement. Mais assouplissement ne veut pas dire qu'on peut arrêter la distanciation sociale. Dans toutes les queues qu'il y a en Inde, ils doivent tenir un parapluie. Le diamètre de mon parapluie et le diamètre de votre parapluie ensemble, ça fait un peu plus d'un mètre. Une belle façon de s'y prendre. Mieux vaut avoir un parapluie à tout moment. D'ici la fin du mois, il y aura la mousson. C'est bien de s'entraîner à porter un parapluie en été. Et ça assure aussi une distance sociale. Autrement, ça va vous piquer si vous êtes trop proche. Eh bien, je crois que le nombre de morts dans le monde a dépassé 300 000, et ça continue. De nombreuses nations ont réussi à le maîtriser. Aux États-Unis, ça ne semble toujours pas aller bien. Voilà où on en est.
Donc, il y a de nombreux aspects en ce qui concerne la façon dont on doit ajuster nos vies à ceci. Tout un tas de souffrances d'avance a lieu chez les gens, comme d'habitude, je veux dire. Ils se mettent à souffrir de choses qui n'ont pas encore eu lieu. Quand elles arriveront, ça nous fera quelque chose, on n'y peut rien. Mais les gens se mettent à souffrir d'avance. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est leur droit de souffrir. Bien sûr, c'est votre droit de souffrir, c'est votre droit de mourir. Tous ces droits existent. C'est juste que si vous êtes un être humain sensé, vous n'allez pas exercer ces droits. Si la vie vous est précieuse, vous n'allez pas exercer ces droits. Il y a d'autres types de droits que vous devez exercer. En ce moment, vous avez vu la pagaille à l'ouverture des magasins d'alcool dans le pays. Les gens sont devenus fous. Maintenant, ils se font tous livrer chez eux. Donc, un certain segment de la population du pays est dans le coma. Je le dis comme il faut, pas coma, coma. Les violences conjugales ont diminué. Mais quand ils vont se réveiller, et que le verre suivant n'est pas là, alors de nouveau les violences conjugales vont augmenter. Si vous regardez le monde, la façon dont on l'a laissé aller, ou si vous voulez en revendiquer la responsabilité, la façon dont on l'a structuré, la valeur de la production totale de nourriture ou de la production agricole dans le monde est de 3,7 trillions de dollars. Mais l'alcool à lui seul représente 1,6 trillion de dollars. Les drogues et le tabac réunis représentent 1,2 trillion de dollars. Donc en tout, vous avez 2,8 trillions de dollars d'alcool, de tabac et de drogue. Je ne parle pas de médicaments, je parle de drogue. Vous comprenez, pas vrai? Parce que certains pensent au Doliprane ou autre. Donc, c'est ainsi que nous avons laissé le monde évoluer. Ou bien c'est ainsi qu'on l'a structuré. Il y a beaucoup d'autres statistiques plus horribles. Je ne veux pas vous gâcher la soirée, donc on va s'en passer, mais ceci est suffisant. 2,8 trillions de dollars d'alcool, de tabac et de substances hallucinogènes. Et 3,7 trillions de dollars de nourriture. Donc, je crois que dans pas longtemps, ça va dépasser la nourriture. C'est l'impression que ça donne. Donc maintenant, les gens s'inquiètent. Après le Covid, que vais-je faire? Après le confinement, que vais-je faire? Aurai-je un emploi? Aurai-je une affaire? Vais-je faire ceci? Vais-je faire cela? Oui, c'est une inquiétude économique. Mais étant des êtres humains, on trouvera un moyen. Est-ce que ce sera facile? Non. Non. Est-ce que ce sera très difficile? Non. Oh. Sadhguru, vous parlez en termes contradictoires, oui et non, au sujet de la même chose. Ce sera très difficile si vous êtes coulé dans du béton.
Votre mental est en béton, vos émotions sont en béton, votre confort physique est en béton. Si vous devez faire quelque chose d'un peu différent, ça fera très mal. Si vous êtes souple, ce sera très différent. Mais ça n'a pas forcément besoin d'être très difficile. En yoga, je crois que c'est Krishna qui a dit ça. Il a dit « Yogastha Kuru Karmani ». D'abord, établissez-vous en yoga, puis agissez. Si cette seule chose vous l'aviez faite, agir, comment va-t-on s'y prendre? Selon ce que la situation exige, mais ma manière d'être n'est pas déterminée par ce que je fais. Alors qu'est-ce que ça fait? Ce qui est nécessaire, c'est ce que je vais faire. Eh bien, on s'inquiète pour les gens qui pourraient commencer à être affamés. En ce moment, le gouvernement de l'Inde, comme presque tous les autres gouvernements du monde, ont créé des mesures économiques qui tentent de toucher un maximum de personnes, des mesures colossales. Mais il y aura tout de même, bien sûr, des gens qui n'auront pas la moindre idée de comment en bénéficier. Donc c'est là que la société intervient, c'est là que chacun de nous intervient, que l'on peut s'attaquer à ça et faire quelque chose. Eh bien, nos merveilleux bénévoles font un travail fantastique là-bas dans le Tamil Nadu rural. Non seulement ils fournissent de la nourriture, mais ils veillent aussi, avec les autorités et les structures gouvernementales, ils veillent à ce que cette région n'ait pas encore un seul cas. Maintenant que les gens bougent, voyagent, ça reprend. La circulation reprend, ça pourrait arriver, mais c'est tout de même merveilleux. Plus de 2 mois, sans un seul cas, c'est un résultat fantastique. Donc, c'est parce que d'une certaine façon, c'est Yogastha Kuru Karmani. Prendre des risques quand les gens ont peur de sortir, quand les gens se méfient les uns des autres, pensant qu'ils pourraient être infectés, eh bien, nos bénévoles sont dehors, comme beaucoup d'autres médecins, infirmières, policiers. Malheureusement, beaucoup d'entre eux, quand je dis beaucoup d'entre eux, quelques centaines d'agents de police, d'agents du gouvernement, de médecins et d'infirmières sont morts dans le monde, malheureusement, au cours des 2 derniers mois. Ceux qui ont mis le pied dehors pour faire quelque chose d'utile pour un autre, ils n'auraient pas dû mourir, mais malheureusement, au début, on n'avait pas les tenues de protection requises. Personne n'avait compris ce qu'était une tenue de protection. Ils pensaient que juste un masque ferait l'affaire, puis ils ont dit « il vous faut des lunettes », puis ils ont dit « il vous faut une tenue complète ». Alors, tout le monde essayait d'en trouver. Tout venait d'ailleurs. Maintenant, chaque nation s'est mise à produire son propre équipement. L'Inde fabrique plus de 200 000 tenues par jour. En ce moment, plus de 200 nouvelles entreprises ont vu le jour et font ça, on n'en importe plus, ce qui est un très grand changement. Donc, beaucoup de choses ont été faites, mais dans une crise comme celle-ci, ça semble toujours insuffisant. Donc, que fait-on? Que font tous les autres dans le monde? Établissez-vous en yoga et ensuite agissez. Alors, Sadhguru, devrais-je me mettre dans une posture de yoga et ensuite agir? Quand vous êtes dans une posture de yoga, vous devez juste y rester. Vous ne devez pas agir. On parle de yoga, pas de yogasana. Vous établir en yoga veut dire que vous avez un certain sentiment d'unité avec le monde qui vous entoure. Quand vous voyez une autre vie, vous vibrez d'une certaine façon. Vous n'êtes peut-être pas complètement uni,
Mais d'une certaine façon, un petit peu. Cela veut dire qu'une petite touche de yoga a lieu, une union. Yoga signifie union, un peu d'union a lieu. Vous ne vous baladez pas comme un rocher. Pourquoi dois-je insulter les rochers? Ils sont si beaux. Donc, les limites de ce que vous pensez être moi-même ont été enfreintes légèrement. Alors, à votre petite façon, vous êtes un petit peu un yogi. Maintenant, une fois que vous êtes comme ça, alors vous agissez. Comment allez-vous agir? Vous allez agir selon ce qui est nécessaire, à l'instant donné. En ce moment, tout le monde demande « que faire après le Covid ?» Le truc, c'est qu'on ne sait pas quand sera l'après-Covid. Oui. Et on ne sait pas comment sera l'après-Covid. Et on ne sait même pas si nous, on sera là après le Covid. Oui. C'est un fait. Parce que ce n'est plus une infection des voies respiratoires. Des caillots de sang se forment, des crises cardiaques ont lieu, il y a des AVC, des lésions du foie, des lésions du cerveau, dont nous sommes une preuve, bien sûr. C'était une blague visant quelques personnes ici. Donc, on ne sait pas combien vont survivre, ne pas faire partie des victimes, combien seront gravement atteints. On ne le sait pas parce que ce n'est pas encore confirmé, personne ne nous a donné d'image claire. Si vous êtes infecté et que vous vous en sortez, ensuite vous êtes immunisé, il n'y a pas de constat précis là-dessus. Ça peut vous reprendre encore et encore et encore. Ça pourrait endommager votre système. Donc, quand on ne connaît pas une situation, ça ne sert à rien de faire des hypothèses stupides pour essayer de se donner confiance. Cette confiance pourrait s'avérer mortelle. Il vaut mieux être conscient, vigilant et prévenant dans l'action. Et attendons de voir comment la situation évolue. Mais vous êtes établi en yoga. Quelle que soit la situation qui se présente, on fera de notre mieux dans la situation donnée. Même en ce moment, c'est ce qu'on fait. Ce n'est pas une situation parfaite, tout le monde s'en plaignait il y a 2 mois. Maintenant, soudain, ils pensent, maintenant tout est parfait, l'après-Covid sera vraiment terrible. Ceci est arrivé. Shankaran Pillai retrouve un ami un soir. Et l'ami lui demande, « T'as un nouveau boulot, n'est-ce pas? Comment ça se passe ?» Oh, il répond, « Je le déteste, de A à Z. » Depuis quand travailles-tu? 3 mois. Alors pourquoi tu continues? Pourquoi tu n'arrêtes pas, ça ne te plaît pas? Il dit, « Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la première fois que j'ai hâte de rentrer chez moi en 20 ans de mariage. » En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont impatients d'aller travailler. Confinés, ils ne sont pas sortis de chez eux. Ils veulent désespérément aller au travail maintenant, ce qu'ils n'ont jamais voulu toute leur vie. Donc, bien des choses changent comme ceci. On ne sait pas quelle est la situation, donc le mieux, c'est de nous maintenir en bonne forme. J'ai dit 10%, mais maintenant le confinement est prolongé au Tamil Nadu. Peut-être que beaucoup d'autres États vont faire de même dans ce pays. Certaines autres nations l'ont déjà fait, jusqu'à la fin du mois. Donc on doit s'améliorer d'encore 10%. Physiquement, mentalement, émotionnellement, au niveau de notre énergie et nos compétences. 10% de plus d'amélioration. Parce que le prix que vous payez, disons par exemple, je prends, on pourrait prendre tous les 4, mais le prix que vous payez pour quelque chose de très simple comme vous avez des émotions à propos de tout.
Quelqu'un dit quelque chose, vous devenez comme ceci, quelqu'un fait quelque chose que vous n'aimez pas, vous devenez comme ça. Maintenant, une fois que vous êtes comme ça, vous ne savez pas ce que ça va vous coûter en ce qui concerne votre vie. Ça détruit le potentiel même de votre existence. Si on regarde ce qui se passe, parce que vous n'avez aucune maîtrise de votre processus de pensée, aucune maîtrise du système énergétique et de votre corps, les compulsions physiologiques et psychologiques et émotionnelles retirent complètement la possibilité même d'être humain pour la plupart des êtres humains. Ils sont encore, vous savez, ils se font régresser dans l'évolution, fonctionnant à partir des instincts et des compulsions. Ce que je dis, c'est que si vous vous améliorez de 10%, dans votre expérience, c'est comme si vous aviez atteint l'éveil. Les autres pourraient ne pas encore le voir ainsi, mais vous sentirez soudain, waouh! Oui. Donc 10% de plus d'amélioration, vous devez tous le faire parce qu'il y a 15 jours de plus. C'est beaucoup de temps. Comment m'y prendre? Comment m'y prendre? Pour changer les schémas de vos pensées et de vos émotions, rien que le programme en ligne suffira, ingénierie intérieure. Et toi, tu es une bannière, n'est-ce pas? Est-ce que c'est en ligne ou juste ingénierie intérieure? Tu dois ajouter en ligne, écris-le avec un stylo, d'accord? Rien qu'un programme en ligne, si vous vous imprégnez de l'essence de ce que c'est, ce qui est très simple, n'importe quel idiot peut le comprendre, c'est le genre de langage qui est parlé dans ce programme. Si vous comprenez 10% du programme en ligne, 10% d'amélioration de votre équilibre, et des choses vont arriver. C'est aussi simple que ça. Donc ne pensez pas que vous êtes un problème si compliqué. Non, Sadhguru, je suis un cas compliqué. Je suis content qu'une partie de ce que vous disiez soit vrai. Compliqué n'est pas vrai. L'autre partie est vraie. J'apprécie vos efforts, pour être honnête, à au moins 50%. Ceci est arrivé. Il y avait un gourou. Je pense que cet incident a eu lieu il y a 170-180 ans, sur les berges de la Narmada. Donc le gourou, comme vous savez, ceci faisait partie de cette culture, vous preniez toujours un bain. Dans un pays tropical, un grand plaisir le matin est d'aller se plonger dans la rivière, ce qu'on ne peut pas faire dans les pays froids. Donc en Inde, aller piquer une tête dans la rivière est un grand plaisir. Chaque matin, la plupart des gens ne prenaient leur bain du matin qu'en allant à la rivière. Donc le gourou y va, et un disciple l'accompagne à cause des habits. Donc le gourou entre dans la rivière, s'y baigne, et est sur le point de sortir, puis il voit un scorpion qui flotte désespérément sur l'eau. C'est une arachnide, ce n'est pas une créature qui nage. Mais d'une manière ou d'une autre, il est tombé dans la rivière et se fait emporter. Donc peu importe ce que vous pensez du scorpion, le scorpion pense qu'il est une vie très importante. Je pense que beaucoup d'entre vous sont scorpions, d'après ce... Comment vous appelez ça? Les signes du zodiaque. Donc les autres pensent peut-être que vous êtes une chose venimeuse, qui ne sert à rien, mais vous, vous savez que vous êtes très gentil. Donc le scorpion pense évidemment qu'il est super. Regardez comme il marche, de toute évidence, il se trouve très beau et merveilleux. Avez-vous vu un scorpion? Leur venin, je ne vais pas entrer là-dedans, donc... Le gourou naturellement utilise ses mains et ramasse le scorpion. Le scorpion tropical indien, les noirs sont longs comme ça. Si vous étendez la queue, il est long comme ça. Et
ils ont un venin très puissant. Donc il le prend avec ses deux mains. Le disciple voit ça et il dit, laissez-le tomber, il est venimeux, il va vous piquer. Le gourou continue à le porter et le scorpion le pique une fois. Mais il continue à le porter. À ce moment-là, le disciple est en panique. Je vous avais bien dit qu'il allait vous piquer. Il est venimeux, qu'est-ce que vous faites? Tandis qu'il marchait, le temps qu'il atteigne la rive, il le pique trois fois. Ça peut être très douloureux, un scorpion. Un jour, vous devez en faire l'expérience. Non, j'essaye simplement de partager ma vie avec vous. J'ai été piqué par toutes sortes de choses. Je me dis que vous aussi, vous devriez en faire l'expérience. Donc, il atteint la rive et le relâche, et il s'en va. Heureux de s'en être sorti. Parce qu'un scorpion qui flotte dans la rivière ne peut pas deviner de quel côté il arrive, il n'en a pas les moyens. Donc le disciple dit, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je vous ai dit qu'il allait vous piquer, trois fois il vous a piqué, ça va devenir... Vous savez, c'est venimeux, ça va faire ceci, ça va faire cela. Donc le gourou dit, calme-toi juste maintenant. Le scorpion fait ce qu'il connaît de mieux. Je fais ce que je connais de mieux. Il agit en fonction de sa qualité. J'agis en fonction de ma qualité. C'est tout. Détends-toi simplement, et toi, tu agis en fonction de ta qualité. Un scorpion dans cette vie n'a pas la possibilité d'évoluer en un perroquet, ou en un aigle, ou en un être humain. Il n'a pas cette opportunité. Donc il va faire ses propres trucs. Vous, c'est possible, pendant ces 15 jours, 10% d'amélioration, vous pouvez y arriver. Oui. Donc, vous avez juste à faire ça, c'est une très grande opportunité. Mais Sadhguru, mon affaire, mon travail, tout cela va arriver, quand ça arrivera, on verra. On ne sait pas si on aura du travail, ou si nous aussi on devra également aller s'asseoir quelque part, une autre fondation va venir et nous donner à manger. Oui, je vous le dis, nous offrons de la nourriture à des milliers de personnes, pas par magnanimité, simplement par humanité, c'est tout. Donc demain, si on n'a pas à manger, peut-être qu'une autre fondation va arriver et nous donner à manger, on la prendra et la mangera avec joie. Moi, oui. Allô ? Toute ma vie, j'ai principalement mangé chez les autres, d'accord ? C'est grâce à eux que je suis bien nourri. Oui. Donc, comment sera la situation ? À quel point elle sera bonne ou mauvaise ? On ne sait pas, on n'a pas à peindre un tableau dont on ne sait rien pour le moment. Mais l'important, c'est d'être équipé de telle sorte que, quel que soit le fichu tableau, vous serez un bon élément de ce tableau. Ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Et c'est tout ce que vous pouvez faire, vous devez le savoir. Cette génération de gens a vécu dans trop de confort et ils ne savent pas ce que c'est. Dans quelques pays, malheureusement, ils traversent des choses terribles. Mais la majeure partie du monde a vécu dans trop de confort. Si vous supposez que l'on confisque tous vos téléphones, téléphones portables, et on installe quelques cabines téléphoniques, vous savez, beaucoup de cabines, tout autour du centre de yoga, vous avez simplement à vous tenir debout là, vous devez faire ça, un numéro à 10 chiffres à chaque fois. Oh, vous allez devenir fou, parce que vous êtes habitué à... D'accord ? Mais on a tous vécu comme ça. Il n'y a que maintenant qu'on a ces téléphones. Il fut un temps où je passais 50 à 100 appels par jour. Mon doigt me faisait mal. C'est le seul doigt qui rentre, le petit doigt est trop faible pour ça. Ces deux-là ne rentrent pas dans ce téléphone noir.
Après avoir passé 60, 70, 80 appels, même mon doigt faisait mal. Ce que je dis, c'est que, au fur et à mesure de l'avancée des technologies et du confort, les êtres humains deviennent trop, que dire, ils ont un sens de ce qui leur est dû, qui est destructeur. Donc le virus, ce n'est peut-être pas son intention, mais on peut traiter le virus comme notre gourou. Je vous l'ai dit, vous devez voir Sadhguru en toute chose. Oui. Parce que si vous n'apprenez pas de ceci, alors quand allez-vous apprendre? Le virus n'a aucune intention de nous enseigner quoi que ce soit, il veut juste vivre. Mais malheureusement, vous mourrez trop vite. Mais pas les Indiens, ils leur fournissent un bon habitat. Donc, voilà une occasion pour chacun d'entre nous de faire des efforts. Imaginez juste un monde, si chaque être humain sur cette planète est 10% meilleur dans les 15 prochains jours, quel beau monde! Combien de problèmes disparus? 10% disparus veut dire, ce qui reste, vous le gardez un certain temps, que faire? Donc, ceci doit être abordé de façon réaliste, pas de façon fantaisiste. Shankaran Pillai décide de rentrer dans l'armée indienne. L'armée indienne aurait préféré qu'il rentre dans l'armée pakistanaise. Mais, en tant que citoyen indien, il ne peut intégrer que cette armée. Donc ils s'entraînent et le sergent les entraîne à des situations de combat. Donc il les emmène dans la jungle et les fait avancer comme si c'était une vraie zone de combat. Puis il demande à Shankaran Pillai en lui hurlant dessus, « Maintenant, 10 soldats ennemis arrivent, que fais-tu maintenant? Que fais-tu ? » Ah, oh, qu'est-ce que je fais ? Non, que fais-tu? 10 soldats ennemis sont ici même, que fais-tu? Alors il dit, ok, je vais les encercler. Donc, on ne connaît pas encore la nature de la situation dans laquelle on entre. Vous pouvez soit... Les gens pensent qu'ils doivent parler de façon positive ou négative. Certains disent, dépeignent un sale tableau d'un terrible... Vous savez, un tableau terrible de ce que sera l'après-virus. D'autres veulent peindre un tableau rose et disent, tout ira bien, il va se passer ça. La réalité, c'est qu'on n'en sait strictement rien, on va juste attendre. Allô? Nous devons juste attendre. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire de nous-mêmes de meilleurs soldats. On ne sait pas si 10 ennemis vont arriver, ou 2 vont arriver, ou si aucun ne viendra, on ne sait pas encore. En fonction de ça, on agira à ce moment-là. En ce moment, la seule chose, c'est de faire de nous des soldats véritablement merveilleux. Peut-être que l'ennemi va arriver, peut-être qu'il n'arrivera même pas. C'est comme ça que ça devrait être. Cette question est de Vishvesh. Namaskaram Sadhguru. Au cours des derniers mois, alors que le coronavirus faisait la une, il y a eu un désastre silencieux d'une ampleur bien plus grande qui s'est abattu sur l'Inde et le reste du monde. Il s'agit des pénuries d'eau et de la dégradation de l'environnement et des paysages. Comment aborder les nombreux problèmes liés à ça? Eh bien, il y a bien des pénuries d'eau, mais heureusement, cette année, dans quasiment tout le pays, à l'exception de quelques zones, il y a eu des pluies d'été. Grâce à cela, ça ne s'est pas transformé en des situations extrêmes. Habituellement, au mois de mai, maintenant c'est la mi-mai, chaque goutte d'eau présente
en surface, sous la forme de lacs, d'étangs et ainsi de suite, auraient séché à cette saison. Mais cette année, heureusement, ou peut-être, parce que les niveaux de pollution sont très bas dans l'air, il y a eu assez de pluie. Je me souviens, quand j'étais enfant, au cours de l'été, ils disaient, aujourd'hui, c'est Ugadi. La pluie d'Ugadi arrive. Elle arrivait toujours. Il se met à faire un peu chaud au mois de mars, ils disent « Ugadi arrive, c'est un festival, c'est le jour de l'an Telugu et Canada ». Ils disaient « Le jour d'Ugadi ou le jour suivant, il va pleuvoir ». Il pleuvait toujours. Tous ces schémas qui existaient ont été sérieusement perturbés. Probablement que l'une des raisons est la chaleur dans l'air. Le nombre de machines, de voitures et d'usines, et tout ce qui tourne. Cette année, probablement, la tendance revient, en quelque sorte. Peut-être, je ne fais que présumer. Peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas autant de fumée et de chaleur dans l'air, possible. Donc, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul problème, on a oublié tous les autres problèmes du monde. Il n'y a qu'un seul problème, le problème du virus. Mais il y a tant d'autres problèmes. L'un d'entre eux est la dégradation de l'environnement, la grave dégradation qui a lieu dans le monde. Dans ce cadre, que ce soit la dégradation économique ou le virus aujourd'hui ou une autre pandémie dans 10 ans ou quoi que ce soit, au cas où quoi que ce soit arrive, une chose importante, c'est que, on en parle depuis plus de 20 ans, j'en parle, au moins 30% du régime alimentaire humain devrait provenir des arbres. Si 30% de l'alimentation des êtres humains devient des fruits, eh bien, c'est une supposition au pif. Peut-être que la consommation de médicaments pourrait diminuer de 20 à 30%. La charge sur le système de santé diminuera. Les gens seront bien plus agiles, intelligents, meilleurs, à tous les égards. Mais on n'a pas investi là-dedans suffisamment. Ça commence à arriver, mais pas suffisamment. En Occident, par exemple en Europe, aux États-Unis, il y a beaucoup de fruits, mais avec quasiment rien dedans. Parce qu'ils sont cultivés de telle façon, ils sont manipulés de telle façon, que ce fruit-là, mieux vaut ne pas le manger. Ce pays étant une nation tropicale, de Kanyakumari au Cachemire, tous les fruits que vous pouvez imaginer, malheureusement, la plupart ne sont plus sur le marché. Beaucoup de fruits traditionnels dans ce pays, qui sont super bons pour la santé, à consommer, ont disparu. Nous devons les ramener. Aujourd'hui, fruits veut dire tout le monde pense pommes, bananes et quelques-uns en plus. Non, une nation tropicale a des centaines de fruits à manger à chaque saison. Nous devons ramener cela. C'est une sécurité alimentaire pour le futur. Si vous ne faites pousser que ceci, en ce moment, la pandémie vous frappe, vous. Disons qu'un virus ou autre frappe l'agriculture. Pas de culture cette année. Qu'allez-vous faire? Ou pas de pluie cette année, pas d'eau. Qu'allez-vous faire? Une certaine quantité de nourriture doit venir de cultures de long terme, pas de cultures sur 3-4 mois. Cela doit avoir lieu pour le bien-être humain, pour la santé et pour la sécurité alimentaire, et par-dessus tout pour l'équilibre écologique. Au moins 30% de la nourriture devrait provenir d'arbres. Ça évitera aussi les migrations. Actuellement en Inde, un mot qui circule c'est travailleurs migrants, travailleurs migrants, travailleurs migrants, tous ces horribles choses qui leur arrivent et beaucoup de reportages, des vidéos de conditions pitoyables et vous savez, des gens qui se déplacent dans des conditions très très difficiles.
Comment se fait-il qu'ils soient si nombreux à avoir quitté leur village et à être arrivés en ville pour faire des petits boulots? Simplement parce que, ici et là, deux années de sécheresse, toute leur économie ont disparu. Le seul choix, c'est de partir en ville. S'ils avaient juste un hectare de terre, ce qui est la moyenne dans ce pays, et s'il y avait au moins 150 arbres qui produisent quelque chose, soit du bois d'œuvre, soit des arbres fruitiers, est-ce qu'ils quitteraient leur village pour s'en aller? Ils ne le feraient pas. Si vous voulez empêcher les migrations, les chiffres concernant les migrations, avant le virus, on disait que d'ici 10 ans, c'est-à-dire vers 2030, il y aurait 1,6 milliard de migrants sur cette planète qui quittent leurs terres ancestrales et vont quelque part vers un endroit inconnu et traversent toutes sortes de situations terribles, en particulier pour les femmes et les enfants. C'est la chose la plus horrible, une migration forcée. Les choses les plus horribles et humiliantes vont arriver à ces familles. Donc, en Inde, on estime que plus de 200 millions de gens vont migrer dans les 10 prochaines années. Et vous avez vu les bidonvilles à Bombay, dans quasiment toutes les villes. Si les nombres se multiplient, il n'y a rien que vous puissiez faire pour eux. Une fois qu'ils sont arrivés et se sont installés, il sera véritablement inhumain de les déplacer ou de détruire leur petite cabane ou baraque. C'est terrible de faire ça. Donc, un moyen simple pour limiter les migrations est de cultiver des arbres. L'agroforesterie est un pas important en ce sens. Nous effectuons ce travail dans le bassin de la Cauvery, mais cela doit avoir lieu partout dans le monde, pour les équilibres écologiques, pour la gestion des bassins versants, pour la sécurité alimentaire et pour limiter les migrations. Des cultures à long terme doivent être présentes sur les terres, alors seulement ça aura lieu. Et par-dessus tout, pour préserver la biodiversité sans laquelle toutes ces choses n'auront pas lieu. Donc est-ce si difficile à faire? Non. C'est juste que ça n'a pas encore été intégré à la politique de la plupart des nations, d'agir de manière décisive dans cette direction. En Inde, le gouvernement a pris quelques mesures, mais comme c'est une compétence partagée, l'agriculture et les ressources en eau étant une compétence partagée entre le gouvernement central et les gouvernements des États, divers États agissent à divers niveaux d'intensité. Bien que la recommandation politique ait déjà été faite au niveau central, les États vont à leur propre rythme, parce que le gouvernement central n'a pas sa propre géographie. Ce sont les États qui possèdent la terre, c'est à eux de le faire. Certains États avancent bien, d'autres vont lentement. Maintenant, avec le virus, tout est oublié, la seule information, c'est le virus. Maintenant, avec ce problème de travailleurs migrants et les atrocités qu'ils endurent en termes de souffrance, ça doit être une bonne leçon pour nous pour comprendre que nous devons limiter cela. Ce sera limité, pas en les contrôlant de force, mais en faisant en sorte que vivre dans un village soit lucratif pour eux. Ils doivent avoir un moyen de subsistance, alors ils ne partiront pas vers les villes. Donc, ceci est un problème majeur sur la planète. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de lancer ce mouvement Conscious Planet ou Planète Consciente. L'idée de base derrière ça, c'est 60% du droit de vote, 60% de la population qui détient le droit de vote, qui a le pouvoir d'élire des gouvernements, ce qui équivaut à environ 3 milliards de gens, doivent prendre conscience de cela. Et nous voulons nous assurer que chaque parti politique, les trois principaux partis politiques du pays qui peuvent être élus, nous voulons nous assurer que dans leur programme de campagne, si ce n'est pas la priorité numéro un, au moins la priorité numéro deux doivent être les questions environnementales. Si on fait ça, d'ici 10 à 15 ans,
Des budgets seront investis, des budgets sérieux, et la machine gouvernementale seront investies, et ça va commencer à bouger dans ce sens. Comme ces choses ne peuvent pas être faites du jour au lendemain, ces choses, il faut les pousser, et les pousser, et les pousser, pour que progressivement, ça aille dans cette direction. Un changement de politique doit avoir lieu. Il se peut que les politiques ne soient pas appliquées, mais peu importe, en premier lieu, un changement de politique doit avoir lieu. Ce n'est que si cela figure dans la politique que vous pouvez exercer des pressions sur les gouvernements. Si ce n'est pas dans la politique, vous n'avez pas à faire pression sur le gouvernement, parce que ça ne fait pas partie de leur politique. Donc la première chose, c'est la politique. Des changements de politique doivent avoir lieu. Dans chaque région latitudinale, les régions équatoriales, tropicales, subtropicales et tempérées, nous avons diverses prescriptions quant à ce qui devrait s'y passer. 5 choses simples doivent avoir lieu. Chaque citoyen doit en être conscient. C'est ce qu'on cherche. Et avec le virus, les événements que nous avions prévus ont dû être reportés quasi indéfiniment. Donc on est en train de chercher d'autres façons de s'y prendre. Et en ce moment, le gouvernement colombien, le Global Landscape Forum, se penche aussi là-dessus et nous voyons comment, vous savez, pousser toutes ces diverses plateformes dans le monde pour aller vers un changement de politique dans le monde. Eh bien, certains pays ne vont peut-être pas coopérer, mais ça ira. Même si vous faites bouger la politique de 60 à 70% des nations dans une certaine direction, c'est un changement énorme. Ils disent que les émissions qu'on a émises dans l'atmosphère avec les voitures et les usines et autres, il y a un certain nombre de gigatonnes de carbone qui ont été émises. Si vous plantez 1000 milliards d'arbres, et si ces 1000 milliards d'arbres atteignent l'âge de 15 ans, tout ce que vous avez laissé s'échapper ces 50 dernières années sera absorbé par ces arbres. C'est un calcul que font les scientifiques. Planter 1000 milliards d'arbres n'est pas un problème. Quand on plante 2,4 milliards d'arbres, rien que dans le bassin de la Cauvery, planter 1000 milliards d'arbres en impliquant la population mondiale n'est pas un gros problème. De toute façon, maintenant avec le virus, tout un tas d'entre nous vont être sans emploi. Nous devons au moins planter des arbres. Vous voyez, même moi, je suis sans emploi. Donc, nous devons à coup sûr saisir cette opportunité. Si l'on ne peut pas maintenir l'économie à fond, nous devons au moins procéder à des restructurations écologiques. C'est le meilleur moment pour le faire. L'économie est au ralenti, nous pouvons aussi bien procéder à des restructurations écologiques dans toutes les mesures du possible. Il y a beaucoup de choses à faire, pas seulement planter des arbres, mais mettre le sol du monde à l'ombre est un aspect très très important. Il y a beaucoup de choses, ce n'est pas qu'on les ignore, mais le plus important, c'est que si l'on veut préserver la biodiversité du sol, il doit être mis à l'ombre, il doit être humide, en permanence, il doit toujours être humide. Si vous creusez 15 à 20 cm, il doit être un peu humide, alors seulement il y a de la vie. Autrement, tous les micro-organismes et autres qui font la richesse de cette terre vont disparaître. Quand on dit sol, ce n'est pas grand-chose. Il ne fait qu'un mètre en moyenne. Ici, c'est pour ça que cette terre est considérée comme une mine d'or pour les gens qui veulent habiter ici, parce que c'est l'un des rares endroits où notre terre arable va jusqu'à 6 mètres. En moyenne, le monde n'a qu'un mètre de terre arable, un mètre. Ce n'est pas très difficile à entretenir, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez à faire, c'est d'y mettre suffisamment de matière organique, des arbres, des feuilles et autres déchets verts qui en sont issus. C'est absolument vital. Bien sûr, les animaux aussi sont importants, mais en ce moment, parmi les 51 millions de kilomètres carrés de terre qui sont utilisés pour l'agriculture dans ce monde, 40 millions de kilomètres carrés de terre sont utilisés pour l'élevage des animaux et pour les nourrir. C'est-à-dire que 77% des terres agricoles
sont utilisés pour l'élevage des animaux. Eh bien, si vous renoncez à 50% de la consommation de viande dans le monde, vous allez libérer 20 millions de kilomètres carrés de terre pour planter des arbres. Vous pouvez planter plus de 1000 milliards d'arbres juste là. Ce n'est pas difficile à faire s'il y a une politique. La question suivante est de Imani. Namaskaram Sadhguru. En tant qu'artiste, je veux savoir si mon art peut aider à dépasser mes tendances. Hé, qui me fait concurrence ? Où est-ce qu'elle se reflète dans ce que je produis ? Quelle est la bonne façon d'aborder l'art ? À l'instant, aujourd'hui, ils viennent de me livrer une dizaine de toiles parce que je suis censé peindre dans les prochains jours. Donc là, j'ai de la concurrence. Donc, l'art devrait-il être mon expression ou devrait-ce être autre chose ? Vous voyez, je crois que tout récemment, j'en ai parlé. Dans l'une des conversations qu'on a eues ici, il y a 3 ou 4 jours, beaucoup d'êtres humains très tourmentés ont fait des œuvres d'art. Oui. Je ne dis pas qu'ils ne devraient pas, mais je dis que ça a été l'histoire de l'art. Et si vous regardez une partie de l'art, je suis entré dans la maison de quelqu'un, une maison très 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 riche. Une grande œuvre d'art du genre 1m50 par 1m50. Et il y avait quelques coups de peinture à l'arrière, sans but particulier, comme ça, comme si, différentes couleurs. Et il y avait plus de 200 grands comme ça, je vous le dis, grands comme ça, clairement de plus de 15 cm de long, des clous épais, juste martelés au hasard. Donc je suis entré dans la maison et en entrant sur la droite, cette chose était là. J'ai dit, quoi ? Que sont ces clous et ces trucs ? Non, c'est une expression. Si c'est ça qui se passe dans votre mental, vous ne devriez pas exprimer quoi que ce soit. Un être humain ne devrait-il pas arriver à exprimer certaines des difficultés qu'il traverse en lui-même ? Oui, il le devrait. Il devrait aller s'asseoir dans une forêt ou un désert et chanter à plein poumon toute la souffrance. Mais vous ne devriez pas la déverser sur la société. Ils ont déjà assez de problèmes. Si vous avez quelque chose de positif, quelque chose de merveilleux à dire, oui. Ou si vous dépeignez peut-être certaines des difficultés de la société elle-même. D'accord. Mais vos bêtises, du moins c'est ma façon de voir la vie. Si jamais des bêtises me viennent, je me dis que c'est mon problème de ne jamais les déverser sur quiconque. Donc, vous avez attrapé un petit, pas ce virus, un autre petit quelque chose, et vous avez envie de cracher. Vous crachez sur quelqu'un, c'est ça ? Allô ? Quand vous toussez, c'est une toux sèche, ce virus ne vous donne pas de glaire. Vous avez des glaires. Donc, puisque c'est comme ça que vous vous exprimez, vous crachez sur ce gars qui est assis ici. Qu'est-ce que c'est que cette expression ? Donc, que ce soit les glaires de votre gorge ou les glaires de votre mental, d'après moi, ce sont les mêmes choses.
Donc, l'art devrait-il être l'expression de ce qui se passe en vous? Si ce qui se passe en vous est si beau, allez-y, s'il vous plaît. Autrement, l'art est en général un petit reflet de la création. Vous en avez capturé une certaine partie qui est belle. Vous ne pouvez pas capturer le tout. Vous voulez imiter le créateur, un peu, à votre propre petite façon. Comme vous ne pouvez pas capturer tout le cosmos, vous avez attrapé un bout, vous avez peut-être peint une feuille ou une fleur ou un oiseau ou quelque chose. Pas forcément dans sa forme réaliste, peut-être sous une forme amusante, peut-être que c'est une peinture de dessin animé, c'est une peinture abstraite, c'est autre chose, c'est ok. Mais quoi que vous fassiez, ce ne sont que des images que vous avez collectées de ce qui vous entoure, il n'y a rien d'autre pour vous. Donc il est important, en particulier si vous êtes, je ne sais pas, si vous êtes un artiste connu et que tout le monde va le regarder, il est très important que cela provoque les bonnes choses chez les gens, quelque chose qui va améliorer leur vie, pas quelque chose qui va les conduire à une forme de folie. Ce tableau avec des clous, je n'arrivais pas à le comprendre, j'ai passé du temps devant à essayer de comprendre. Est-ce que je passe à côté de quelque chose? Y a-t-il quelque chose, un sens plus profond? Donc, l'art est juste notre... comme on se sent un peu jaloux du créateur, nous aussi, on veut faire quelque chose. Tout a été créé de manière si fantastique, à vrai dire, une vie entière ne suffit pas pour y prêter attention. Mais nous aussi, nous voulons participer un peu, c'est ok. Les êtres humains ont le droit de faire ça. Mais si vous êtes un être humain tourmenté, je vous en prie, ne déversez pas votre souffrance sur d'autres. Si vous êtes un être humain tourmenté, vous devez vous retirer, c'est ce que je dirais. Oh, si je me retire, ma torture va s'accroître. Soit elle va s'accroître, soit vous allez guérir, l'un ou l'autre va avoir lieu à coup sûr. Parce que il est important pour nous de le comprendre. Une situation sociale, que ce soit la petite unité de la famille, ou la société plus largement, ou la nation, ou le monde, les êtres humains ont beaucoup de problèmes. Que ce soit au sein de la famille, au sein de la société, au sein d'une institution, où que ce soit, il est important pour nous de comprendre que nous montrons notre meilleur à tout le monde. C'est important. Oh, dois-je faire semblant? Non, ce que je dis, c'est que vous devez vous corriger. Je ne dis pas, si vous êtes tourmenté, vous devez sourire à tout le monde. Je dis, corrigez-vous, bon sang. Pourquoi devez-vous faire semblant? Si vous ne pouvez pas corriger vos pensées, vos émotions, vos tortures, si quelqu'un d'autre vous torture, vous ne pouvez pas corriger ça, ce gars doit vous corriger. Les clous. Mais si vous vous tourmentez vous-même, vous pouvez arrêter. Oh, c'est aussi simple que ça? Ça l'est. Pourquoi pensez-vous que je perde mon temps à vous enseigner cette ingénierie intérieure partout? Parce que je pensais que vous alliez vous corriger, bon sang. Ça a tout ce qu'il faut pour vous transformer. Parce que, vous savez, dois-je parler de ma torture? Oui. Oh, il y a bien des années, il y a 39 ans, tout à coup j'ai réalisé que ça ne demande rien d'être en extase. Si je ne sème pas la pagaille en moi-même avec mon mental, je suis extatique. Alors je me suis dit, en 2 ans et demi, je vais rendre le monde entier extatique. Mais il m'a fallu un certain temps pour comprendre à quel point les gens sont investis dans leur malheur. Ils portent leur fichu malheur comme leur richesse. Pour leur faire comprendre que votre malheur n'est pas une richesse, c'est de la saleté. Alors ne l'enchâssez pas dans des œuvres d'art, votre saleté. Ne
N'a jetez pas sans cesse sur d'autres votre saleté. Votre malheur est votre saleté, que ça vous plaise ou non. Je sais que le cinéma, l'art, ceci, cela, ont pu faire l'éloge de la souffrance. Les religions ont fait l'éloge de la souffrance de façon considérable. Ceci est arrivé. Shankaran Pillai et sa femme conduisaient une Ford Mustang. Ils viennent juste de l'acheter, ils vivent au Texas. Et ils ont acheté une Ford Mustang, 600 chevaux, et elle est rapide. Et elle n'est pas aussi facile à contrôler qu'une Ferrari. Est-ce que je dis, fais une bourde? Je dois... C'est à peu près le même genre de puissance, mais pas le même genre de contrôle. Alors Shankaran Pillai, étant voulant impressionner sa femme, l'a fait vrombir. Avant d'atteindre la dernière vitesse, ils atteignent le paradis. Alors au paradis, ils les accueillent et ils regardent aux alentours. Tout est beau. Alors, ils demandent, y a-t-il du golf au paradis? Ils disent oui. Et peut-on voir? Oui. Un endroit fabuleux, des jardins fantastiques, et un super parcours de golf, tout. Donc, ils sont... Les anges conduisent le couple à travers ce beau terrain. Puis, ils voient qu'il y a une fosse emplie de feu et quelques personnes qui brûlent et qui crient. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ça? Ils disent, non, ils sont religieux, vous savez. Ils aiment ça comme ça. Donc le paradis offre ce que vous aimez, sans souffrance. Ces choses ne fonctionnent pas. Donc, il y a eu tout un tas d'éloges de la souffrance. La religion est la première coupable. Ensuite vient l'art. Ensuite vient la musique. Toutes ces choses ont fait ces choses que la souffrance est une bonne chose. La littérature européenne, ouf. Intellectuellement, c'est merveilleux. J'ai lu tout ça, Dostoïevski, Tolstoï, Camus et Kafka. Ouf, quelle souffrance! Des souffrances incroyables. Faisant d'une manière ou d'une autre l'éloge de la souffrance, que la souffrance est le seul moyen d'être profond. Vous voyez, c'est la vérité pour la plupart des êtres humains. La douleur est la chose la plus profonde dans leur vie. La joie n'est pas tellement profonde, l'amour n'est pas tellement profond. Ils n'ont jamais goûté à la profondeur de l'extase. La douleur est la chose la plus profonde. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, prenez une épingle et piquez-vous juste. Vous savez, c'est très profond. Juste une piqûre d'épingle. Votre plus... Disons que votre ami le plus cher vous pique simplement avec une épingle. Votre amitié a juste... Pouf! Une piqûre d'épingle. Il faudra beaucoup reconstruire, autrement c'est terminé. Une piqûre d'épingle. La douleur est à ce point profonde. Pour rendre votre félicité plus profonde que la douleur, ça va demander de travailler un peu sur vous. C'est pourquoi on vous a donné les outils d'ingénierie intérieure. Si tous les jours, je sais que le jour du darshan peut-être, vous faites des pratiques et venez vous asseoir devant moi. Si chaque jour, toutes les dimensions de ce qu'est l'ingénierie intérieure, si elles sont mises en pratique à chaque instant de votre vie, alors vous connaîtrez la profondeur de l'extase qui est bien au-delà de la douleur, bien au-delà. C'est pourquoi l'homme va permettre au scorpion de piquer. Pas parce qu'il n'y a pas de douleur, le scorpion vous donne... Tout votre système nerveux va s'emballer si du venin de scorpion pénètre en vous. Mais quand votre extase est plus profonde que cela, c'est juste une chose de plus. Donc cela nécessite un peu de travail, jusque-là je dirais, ne faites pas de votre art une expression. Faites-en une forme d'estime de certains aspects de la nature, des gens, peu importe.
Ça ne vous plaît peut-être pas, ça ne plaît peut-être pas à de nombreux artistes, c'est juste mon avis, mais moi aussi je suis un artiste, je peux avoir un avis. Nouveau, nouvel artiste, mais un artiste. Au moins j'ai vendu un tableau. Vous allez en voir beaucoup d'autres. Est-ce fini? Je suis désolé, il est l'heure. C'est quoi? Une question, on va terminer. Cette question vient de Himanshu. Namaskaram Sadhguru. Vous dites souvent Yogaratova, Bogaratova. Je veux savoir ce que le bogi. Comment le bogi peut atteindre l'éveil et... Et quelle est sa portée? Aucune issue pour lui. On a dit yoga et boga. On n'a pas dit yogi et bogi. Yogi veut dire quelqu'un qui est établi en yoga. Bogi veut dire quelqu'un qui est établi dans le boga. Y a-t-il une issue pour lui? Pas d'issue pour lui. Ceci est arrivé. À une époque, Shankaran Pillai était un méditant Isha. Donc, il médite avec diligence, puis il se marie. Il médite depuis plus de 15 ans. Maintenant, il se marie. L'épouse a une stratégie. Toute chose qui était liée à son mari avant qu'elle n'arrive doit être bannie l'une après l'autre. Donc, tous ses amis, un par un, sont largués. Un vieux coup de cœur d'université, largué. Bien sûr, la belle-mère, larguée. Mais une chose la nargue, et après quasiment 5-6 ans de mariage, une chose perdure, et Shankaran Pillai n'est pas prêt à y renoncer. C'est son tapis de méditation. Vous savez, le logo Isha et... Quel est le slogan dessus? Juste un symbole et un logo Isha. Il ne veut pas abandonner son tapis de méditation. Un jour, le matin, il se réveille et veut faire sa sadhana du matin. Il cherche et cherche son tapis de méditation. Impossible de le trouver. Puis il demande à sa femme, « Qu'est-il arrivé à mon tapis de méditation ?» Elle dit, « Il a atteint le nirvana. » Eh bien, c'est lui qui était censé atteindre, mais... Donc un bogi établi, aucune issue. Yogaratova, bogaratova, c'est autre chose. Yogi, bogi sont deux identités. Donc vous êtes identifié à ce qui vous enchaîne. Et ensuite vous dites, comment vais-je être libéré? Eh bien, le tapis. Peut y arriver. Yoga yoga yogeshwaraya bhuta bhuta bhuteshwaraya kala kala kaleshwaraya shiva shiva sarveshwaraya shambho shambho mahadeva.